Attends, l'autre, elle était où? Celle avec qui qui avait les parfums? Je crois qu'elle était ici. Me faire remonter vachement, c'est au-dessus du dirigeable. Et là, dans les quêtes qu'on devait faire, donc elle, il faut qu'on l'a interrogé, la propriétaire du Sirocos. Donc elle, elle est fermée, donc on peut rien faire. C'est ça. Bon, bah du coup, ouais, on va ramener le sel et on prend le dirigeable. Oui, on va faire ça. À moins qu'on retourne dans la grotte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les grottes? Bonjour. Bonjour, que faites-vous ici? Je m'assure que ces cavernes ne présentent aucun danger pour les visiteurs. La structure n'a pas l'air d'avoir été endommagée par l'éboulement, mais je dois garder un œil. L'éboulement? Qui êtes-vous? Je fais partie de l'équipe de travail d'Arisola. L'éboulement? Ok. Je sais pas qu'il y avait eu un éboulement. Bah, moi non plus. Là, il y a un nageur. Dissipé, il faut que je remette la fragrance. Fragrance. Là, il y a deux nageurs. Il n'y a rien de spécial, ok. Ah, si, il y a un passage ici. Sur le coup, j'ai failli repartir en arrière. Tu serais tombé. Je pense que les cascades peuvent remonter. Je serais tombé. Et tu serais tombé sur l'un des nageurs, tu sais. En repassant devant, il t'aurait fait « Eh oh !» Adjudante du Belsoto. Encore une andouille. Ah, le Belsoto, c'est les autres cons. Oui. Nous ne partirons qu'après en avoir reçu l'ordre de sa noble majesté. Ok. T'aimes tempré. Par contre, t'as pas ton petit bonnet, toi. Non. Je commence par prendre Serge, hein. Ok. T'as des temtem 23. 23, ouais. Je sais pas si on était prêt pour venir là, en fait. Je sais pas si on aurait dû venir là. C'est bon. Sérieux, il m'a gelé pour 3 tours. Super. Ah, magnifique! Vache. Non, à où? C'est vraiment, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment trop, quoi. Ah, j'ai bien fait. Ah oui. Pff, ce coup, c'est pété tout seul. Oui. Aïe. Il m'a fait tellement mal. Je vais être obligé de le changer. Ok, ça marche. Sors le mien si tu... Ah bah non. Ah bah non, ouais, j'ai cliqué un peu trop vite sur... sur Lulu. Ouais, mais le mien, il est... Ouais, j'aurais mieux fait de prendre le tien. Vraiment faire attention à ça, hein. Ouais, oui. La vache. Les trucs de gel, c'est quand même assez violent, hein. Ouais. Voilà. Et bim! Voilà. Voilà. Alors Serge est quand même plus efficace, hein, contre lui. Hein. Oui. Il lui met un x4. Ah, j'ai une nouvelle attaque. Malédiction, j'ai trahi la confiance de Lady Lottie. C'est trop ballot. C'est bête. Ah, elle a disparu, d'accord. Elle s'est téléportée. Le parfum s'est dissipé, j'en reprends. Pareil. Moi ah, aussi, oui. J'ai rechargé les miens. Prépare-toi. Eh bien, continue de creuser. Ah, ils sont piégés. Hein? Mais attends, on avait vu à un moment donné qu'ils avaient été... qu'il y avait eu un effondrement quelconque, parce que... Ou alors, ça fait trop longtemps et du coup, on a oublié, mais... Il semblait pas me rappeler de ça. Moi, ça me dit rien du tout, hein. Mais plus ils ont de temtem, mieux c'est quand même, parce que les niveaux sont beaucoup moins élevés. Oui. Elle a cru qu'elle allait me péter d'un coup. Mais non. Ça. Ça fait pas grand chose à ta dire. Oh là, à chaque fois, un petit
J'arrive même pas à la one shot. Je crois qu'elle a pas compris qu'elle me faisait pas de dégâts. Je vais la finir avec une petite attaque. Tateru. Comme c'est que Tateru, il me faudrait plutôt. Il me faudrait plutôt Ashni. Moi je vais devoir changer, tu veux que je prenne Ashni? Non, parce que tu peux prendre Tuki contre eux, je pense. Ok. Sur moi. Voilà, c'est bien. Si cool, Shrapnel. Je vais attaquer le Tateru niveau 20. Le niveau 20, ok, j'attaque l'autre. C'est fini l'agression là contre mon Tuki? Non, non, ils ont raison. Non? Ils ont totalement tort. Punaise, mais c'est quoi? Ils ont une résistance à chaque fois. En fait, la manipulation d'énergie, même si elle fait moins de dégâts que le psycho-shrapnel, ouais, elle est presque plus puissante parce qu'en fait, comme je fais l'exténuation et que les mecs ils perdent plus d'énergie quand ils attaquent, en fait, c'est excessivement efficace. Parce que je fais des dégâts, mais en même temps, si lui il fait une attaque quelconque, il va être plus rapidement exténué et du coup, il aura plus d'énergie, il va se blesser lui-même. Ah oui. Donc au final, je pense que stratégiquement, c'est plus intéressant d'utiliser la manipulation d'énergie que d'utiliser le cours d'attaque. Ouais, le psycho-shrapnel. Toi là, par exemple, je fais un peu de dégâts. Ouais. Mais... Blah, t'as vu tout ce qu'elle a utilisé quand, en endurance? Merde, j'avais pas fait gaffe. Ah, la coupe. Ah, mince. Oh, joli. Voilà. Et là, tu lui as mis quasiment le 3 quarts. C'est tellement bizarre. Ah, une nouvelle défaite pour le clan Belsoto. Ferme-la et cours. C'est ça, cassez-vous. C'est ça. Je trouve que l'argent, vu le prix des potions, l'argent qu'on récolte, elle est presque pas suffisante et suffisamment équivalente. Éclaireuse du dojo, chut, approche en silence. Pourquoi ? Tes ennemis, juste un peu plus loin. Tu n'as pas envie qu'ils te tombent dessus. Ils ont des temtem et ils sont perfides. Nous pensons qu'ils font partie de la bande qui a provoqué l'éboulement il y a quelques jours. Tu parles du Belsoto ? Le quoi ? Ils se font appeler comme ça ? Comment le sais-tu ? Je les ai affrontés au fort. Minute, mais alors ? Tu dois être Narbe Seroche ? Sophia m'a parlé de toi. En ce cas, je ne dois pas vraiment avoir de conseils à donner. Tu es parfaitement capable de prendre soin de toi. Je suis étonné qu'elle ait pas fait « Oh le toc !» Oui. Fragment de silicone ou de l'argent? Fragment de silicone, de l'argent quoi. Hup. T'es bon? Ouais. Alors, où est-ce qu'on atterrit? Encore des mecs. Salut. Oh, désolé. Je peux pas aller du... Oh, tu crois que tu vas m'arrêter? Je suis là pour ça, c'est pour ton bien l'ami. Il y a des personnes désagréables là-dessous, tu n'as pas envie de les rencontrer. Tu me cherches en fait, c'est ça? Tu veux vraiment jouer à ça? Eh bien d'accord, t'aimes prêt, petit présomptueux. Ah, on va lui exploser sa gueule. Ça. On va lui casser les canines. Ça se trouve, elle va nous faire une attaque et elle va nous tuer nos temtem en un coup. J'ai un décalage, je vois pas. Tiens bien le parac. Ouais, ouais, il tient bien, mais dis donc là, ils se sont bien acharnés sur lui. Hein. Attends, je vais les aider. Tu vas les aider? Ouais. Je vais les aider à mourir. Ouais, vas-y, aide-les à mourir. Et à te tuer aussi. Ah non! Et tiens, lui, il encourage l'autre. Oh. Souplesse. Tu t'es fait mal tout seul, bravo! Oh non! Oui! Je les ai eus! Pas gentil! Prends, est-ce que. C'est dommage que je puisse pas prendre de l'XP en tuant tes temtem. Non! C'est pas... T'es vraiment pas mignon! Non! Oui. Non! Allez, je me blesse cette fois. Ah merde, si tu m'avais dit. Bon bah, tu vas être blessé, hein.
pas grave. Puis. Oula! Oula! Et il. Elle est impressionnante l'attaque, mais elle a pas fait grand chose. Non, c'est ça. Je suis résistante. Oui, je sais. Heureusement. Piouf! Bon, gay, je reconnais. Tu devrais pouvoir t'en sortir face à eux. Ah oui, c'est ça, connasse. Oh, mais oh. Yes. Ça m'énerve, les gens comme ça. Allez, c'est parti, t'es prêt, on va se faire agresser. Ah non. Ah non, étonnant, étonnant. Bah. Je comprends pas, là. The fuck. Comment êtes-vous arrivé? Bah, on... Je me suis téléporté. Ouais, c'est ça, je parie que certains Temtem ont la capacité de se téléporter, mais bon, ça ne me plaît pas. Un Temtem. À la prochaine. Je comprends pas, elle a dit qu'elle voulait nous empêcher de venir. Mais y'a personne. Allez, c'est reparti pour la route. Retournons à Arisola. Ouh. Sur le train de la joie et de l'allégresse. Chouchou. Sac à dos. Fragrance utilisée. Youhou. Merci de ce petit rappel. Mais de rien, Trasia. Ça me fait plaisir de te rappeler d'utiliser tes petites... fragrance sur ton corps. Ah oui, de m'enduire de fragrance. De te tartiner de parfum. Parce que c'est la joie. Écoute cette musique de détente. Qui détend tes nerfs quand t'es en train de monter. Je viens de... Que le Temtem t'en a plus. T'en as marre de des dresseurs qui t'attarrêtent et t'agressent. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ici on a un whip. Est-ce que c'était pas par là? Si, un point d'interrogation ici. Oui. Bonjour. Youssouf. Ah, Roger. Ah, mais c'est les deux glands qui les recherchaient à l'académie. Ah oui, c'est vrai. Youssouf, pauvre crétin, tu vois bien que ce n'est pas elle. Pourquoi tu as crié comme ça? J'ai cru que c'était elle. La trouille que j'ai eue. Oh, mais ce n'est que Trasia, vous savez, elle fait peur comme ça, mais elle est pas méchante. C'est bon, hein, ça va. Vous attendiez quelqu'un? Pendant une seconde, je vous ai pris pour directrice. Oui, on sait. Faites donc l'école buissonnière. Et alors ça fait des soucis pour vous. Ouais, blablabla. On profite tranquille de la vie, quoi. Mm. Ok, vous lui direz rien? Ne vous en faites pas. Mais je vais quand même aller le dire à la directrice. Faites votre rapport. Vous revoilà. Avez-vous vous retrouvez Youssouf? Eh bien... Ils font l'école buissonnière. Ah, les petites canailles, ils vont avoir de mes nouvelles. Merci de votre aide, Narm. Vous avez fait preuve de maturité, d'un grand sens des responsabilités. Et ouais. Aider l'académie à conserver ses élèves devrait être une récompense en soi, mais étant donné qu'il est une question de prudence, prenez donc ceci. Oh. Un leurre. Utile pour détourner attention si vous souhaitez prendre la fuite. Ok. Yes. Ça vous aidera à tenir à l'écart les Temtem sauvages trop dangereux, mais avant toute chose, vous devrez assister à vos cours. Ouais, c'est bon. On a fait tous les cours, ça va. Tu as conscience qu'on a déjà affronté une maîtresse de dojo? Comment ça va l'ami? Vous l'avez trouvé mon sel? Tenez. Excellent. Oh, c'est de la bonne qualité en plus. Ces sels de bain à la lavande vont se vendre à bon prix. Surtout que je vais y mettre ma sueur dedans. Comme la streameuse. Non, si, c'est ça, c'était une streameuse qui vendait son sel de bain. Son sel de bain. Son eau de bain. Oui. Vous méritez bien une compensation pour le mal que vous êtes donné, tenez. Il s'agit de mon parfum en édition limitée. On s'en fout. Eau de thème. Il est exquis, mais certains Temtem ont l'air de ne pas trop l'apprécier, tant pis pour eux. Oh! Ok. Oh, ça fait de la fragrance gratuite, mais franchement. Le parfum s'est dissipé. Oui, j'en reprends un autre, merci bien. Quelque chose ici? Non, il n'y a rien. Et ici? Oh, oui, un coffre. TC-002, mur de pierre. Formation de mur de pierre à la technique, le meilleur moyen de cuirasser un Temtem. What the fuck? C'est une technique? C'est une CT. Oh. Clay. Ok. Vous êtes avec eux? En fait, oui. Je vous l'avais dit, ils sont tous pareils. Et écrasez-le avant qu'ils nous balancent des Temtem. Viens te battre. Ok. On va vous péter le cul.
Ramène tes temtem, vas-y, vas-y, ramène-les. Attendez, alors vous n'êtes pas avec eux? Parce qu'on vous a laté la gueule. Bon, tu es... Vraiment désolé. Je suis Dame Seroche, dresseur du dojo d'Arisola. Pardonnez-nous, Dame Seroche, ces belles de Toto nous sont tombées dessus sans prévenir. Belle Toto, allez, belle Soto, d'accord. Et en plus, ils sont bulots, ils savent. Je n'ai aucune idée de qui ils sont, mais ils nous ont sauté dessus. Et si nous n'avons pas réussi à nous échapper, ils nous auraient assommés. Nous avons réussi à prendre la fuite, mais qui sont ces gens? À vrai dire, je m'en tape. Avec ce genre d'attitude, il n'y a vraiment rien d'étonnant à ce que ces brutes, des brutes, puissent agir en toute impunité. Allons, ne vous en prenez pas, Dame Seroche, ce n'est pas de sa faute. Rentrons à Lockburg. Il est hors de question que j'abandonne ce site. Nous ne pouvons pas laisser une structure historique telle que le fort sous le vent dans les, entre les mains de ces vandales. Bonne chance. Attendez, vous êtes du coin, vous connaissez la région, pourriez-vous nous donner un coup de main? Si vous fonctionnez comme ça, nous devrons pouvoir vous proposer une récompense, qu'en dites-vous? Je suis prêt à vous aider si vous y mettez le prix. Très bien. Ces brigands sont à l'ouest d'ici, après la tour. Chassez-les afin que nous puissions reprendre notre travail. Après la tour? Après la tour. Terrasser tous les belles sautos de force devant. Bah, on les a pas pétés déjà? Bah, il me semblait bien aussi. Il y en a deux là, je les vois. Les petits cons. On va les tuer. Ah, faut faire tout le tour. Pour sentir bon. On attend de Trazia. Bah, parce que je remettais du parfum aussi. Hé, hey, c'est encore cette vermine, celui qui a défié sa noble grâce. Forgeons notre maîtresse pour Lady Lottie. Alors, autant jusqu'à maintenant, l'histoire, ça passait, mais là, ça fait très très con. Ils sont dans la flotte, les mecs. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Y a pas d'intérêt, y a rien, là. Y a rien. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu switches pas direct avec ton cristal, puisque je crois que les cristaux, ils sont... Ils font des attaques supplémentaires. Bah résistant, et en plus je crois que leurs attaques leur font très mal. Voilà, t'as perdu ton parac pour rien. Sinon tu vas avoir tes temtem qui vont crever en fait direct. Oui. Voilà, direct, tu l'as buté. Faut vraiment pas hésiter. Ah ouais. En tout cas contre ces deux-là. Voilà. Voilà, il est mort. Il est mort. Une nouvelle déconfiture. Ouais, cool. Triste. Génial. Ça m'attriste. On sait même pas ce qui... C'est ça. On sait même pas ce qu'ils foutent là. Tu devrais réanimer. C'est ce que je vais faire. J'étais en train de me dire, sur la carte, je voyais comme un centre de Temtem. Et j'étais en train de me dire, il y a un centre de Temtem là, dans l'eau. Et en fait, non, c'est au-dessus. Comme il y a deux niveaux. Bah oui, c'est vrai. Sa noble grâce a dit qu'il devait forcément se trouver dans les parages. A-t-elle précisé combien nous serons payés pour ce boulot et quand nous pourrons nous proposer un peu? Misérable gueuse, il ne nous revient pas de remettre en question les priorités de sa noble grâce. Tout ce que je dis, c'est qu'on s'épuise comme ça depuis des jours, nous devrions tout de même avoir des droits. Sale contre notre cause, comment oses-tu? Si tu étais réellement impliqué, tu serais parfaitement heureuse d'œuvrer au service de sa noble grâce à longueur de journée. Elle n'a pas tort, vous savez. Voilà. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ceci est une opération du Bel Soto. Calme-toi, nous pourrions peut-être... À l'attaque! La gueuse! Tu le fais bien. Ouais, t'as vu, c'est naturel. Ah ouais, je remarque. Après avoir rencontré l'autre tâche... Ah non, je vais faire plutôt sur Saipat. Ok, je fais Piranian. Pourquoi tu fais pas le même que moi? Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire, mais je croyais... Ah non, je pensais que je faisais plus de dégâts que ça, en fait. Non, tu fais pas de x2. Quand tu fais des x2, c'est... Effectivement, c'est intéressant de se partager les cibles, mais... Là, ça a pas trop d'intérêt. Bon, ça, on va l'éliminer. Yep. Ich-poup. Au revoir. Bon, j'espère que le piranha va pas tuer Choupi. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, ça l'a même pas tué.
son pied est mal. Ouais, mais je vais pas la soigner, je vais la laisser comme ça. Ok. Plutôt que de changer, de prendre des dégâts sur un autre pour le moment, je préfère faire ça. Ouais, ouais, t'as raison. Bah, meurs. En espérant que le parac m'attaque pas. Ah, oh, c'est bon. C'est bon, il m'a attaqué. Oh non, c'est le Two-Boy. Bon bah là, puisque c'est comme ça, je vais sortir mon arme secrète. C'est pas Arak, à mon avis, si tu fais l'attaque d'éclair, tu vas le finir. Je le fais pas, puisque sinon tu te prends des dégâts. Ah oui. Mais bon, c'est pas grave, au moins on l'a éliminé. Oui, oui. Tu as de la chance qu'on l'ait éliminé, sinon tu te serais fait engueuler. Parce que sachant que le mien, tu sais pertinemment qu'il fait plus de dégâts, j'allais forcément aller vers celui qui a le plus de PV. Oui. C'est une catastrophe. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas traité convenablement. T'as raison. Il a raison, il défend ses droits, il défend ses droits. Oui, c'est ça. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Yeah. À ton tour de creuser. Hein? Mais j'ai creusé toute la matinée, continue toi. Sûrement pas, tu n'arrêtes pas de faire des pauses pipi, Astrala, on y sera encore. Hé, hey, attention, là-bas! Ah, c'est là que j'interviens. Tu vas le regretter, étranger. Ouais, en fait, en gros, tu travailles pas parce que lancer des temtem. Oui. Ça fatigue pas trop le poignet. Je vais attaquer Ganki parce que je suis efficace sur lui. Je n'ai rien dit et pendant un instant, j'ai cru que t'allais dire une connerie. Tu m'as pas vu, mais j'ai eu un regard, j'ai fait. Bien si tu es tout seul. Ouais. C'est tellement aimable de sa part. Par contre, autant Loali, tu vois, avant il était pas trop mal. Autant maintenant je. C'était l'un de mes meilleurs temtem au début. Maintenant il est pas super. Je commence à sentir les limites. Ouais. Il a un peu de mal, ouais, sur les attaques. Bah ouais, au moins comme ça on n'a plus besoin de creuser, c'est ça. Voilà, parfait. Et cassez-vous. Rentrez chez vous. À nous le trésor. Voile du couar, un cogneux tissu révolutionnaire qui permet au temtem qui le tient de gagner l'expérience d'un combat sans même y avoir pris part. Oh. Trop bien. Trop bien. Attends. C'est dommage qu'on puisse pas personnaliser le surf. Enfin, la couleur du surf. Ah oui, c'est vrai. Et le design aussi. La voie était libre à présent. Ils ne vous causeront plus aucun souci. Enfin, j'étais impatient de pouvoir reprendre le travail. En effet, mais chaque chose en son temps, au nom de l'archéologie, merci, Dame Seroche. Tenez, acceptez ceci. 30 minuscules cristaux? Ça se vend? Cher? J'espère. Vous pourrez en tirer un bon prix. Oh! Et bah, ça tombe bien, justement, c'est le moment de. La téléportation.